Salut, je m'appelle Martin Tweed. Je suis PDG de Kindred Aerospace. Merci de participer au programme Pioneer. Depuis près de 30 ans, Kindred s'efforce d'aider l'humanité à élargir ses frontières. Et je suis fier d'annoncer que de nombreux experts de l'industrie nous considèrent aujourd'hui comme la quatrième meilleure entreprise d'exploration interstellaire. Depuis nos débuts comme fabricants de batteries, pour faire avancer l'humanité. Des profondeurs des océans et maintenant, parmi les étoiles! Même si je souhaite plus que tout de faire décoller cette navette vers la Terre pour que tu puisses retrouver tes proches, si t'en as, mais je pourrais pas le faire tant que t'auras pas trouvé une source de carburant fiable sur cette planète. Et à envoyer les données collectées à l'équipe de scientifiques qui en font l'analyse. Plus tu feras de découvertes. Oh, les grubs! La seule bouffe dans tout l'univers qui coûte exactement le son café. Et ton ami, si t'en as... Salut, je m'appelle Echo et je suis là pour t'aider et te guider tout au long de ta mission. Mais commençons par le commencement. Connecte-toi à ton ordinateur pour remplir un petit questionnaire. C'est une simple formalité, juste pour s'assurer que tout va bien côté santé mentale. Une de mes tâches consiste à évaluer régulièrement ton état mental. Et comme le mal de l'espace a touché quelques-uns... Merci! Je suis vraiment contente de voir que t'as pas perdu la tête. Salut, je m'appelle Martin Tweed. Je suis PDG de Kindred Aerospace. Là, t'es prêt à explorer. Descends à l'étage inférieur et entre dans le téléporteur pour que je démolécularise un peu ta structure biologique et que je te recombine sur la surface de cette nouvelle et magnifique planète. Thank you.
Cool. Ils vont maintenant t'indiquer approximativement les endroits où trouver des ressources et te fournir d'autres informations importantes. Le Javelin est pas mal endommagé. Tu dois scanner sa partie extérieure pour connaître son état réel. Fais ça maintenant. N'oublie pas de scanner régulièrement ce qui t'entoure. La caméra transmettra les données à Kindred qui, en retour, t'enverra des chiffres. Le panneau extérieur a dû se décrocher durant l'atterrissage. Je marque sa position sur ta boussole pour que tu puisses aller le chercher et scanner. Si tu te perds, tu pourras toujours appuyer sur le bouton « Rapport » pour réafficher son emplacement. Les réservoirs sont intacts, mais vides. Si tu réussis à trouver une source de carburant, tu devrais pouvoir revenir à la maison. Sinon, ben, félicitations! Bienvenue chez toi! C'est pas supposé ressembler à ça du tout. Notre panneau manquant, bon travail. N'oublie pas d'utiliser le rapport pour t'orienter dès que ça devient compliqué de trouver l'objectif sélectionné. Le Javelin est presque intact. Il a juste besoin de réparations mineures au cas où tu déciderais de partir d'ici un jour. Ah! Les cartographes ont trouvé un alliage extraterrestre qu'on pourrait utiliser pour réparer le vaisseau. Attends, je vais le marquer. Je vois une surface fragile dans les environs. Scan! Ces cristaux ont l'air très fragiles. Si t'as envie de te défouler sur quelque chose, c'est le temps. Excellent! T'as déjà assez de carbone pour fabriquer un pistolet plasma nomade. Une arme de base, mais super pratique. L'imprimante 3D du Javelin n'attend que toi. Ih, c'est pas chaud! Les oiseaux globes n'ont peut-être pas l'air, mais sont beaucoup trop salés. Ça, ce sont des drogues, mais de bonnes drogues. Thérapeutiques, pas pour faire la fête. Ça, c'est pas des roseaux. Les ressources que tu transportes sont automatiquement entreposées à bord. À l'inverse, tout ce que tu déposes au pied du Javelin, il restera jusqu'à ce que tu le récupères. T'as une arme maintenant, l'outil le plus primordial de tout bon colon. Biomarqueurs nominaux.
Tu vas peut-être trouver ma question bizarre, mais vois-tu une sorte de grande tour à l'horizon? Et je te demande ça parce que mes systèmes semblent bien fonctionner, mais selon nos premières analyses, il devrait y avoir aucun signe de vie intelligente par ici. Et là, eh ben, je vois complètement le contraire. Je vais tout de suite contacter tes supérieurs. Un instant. Les fruits de cette plante-là sont comestibles et légèrement hallucinogènes, Fag. Vas-y, mollo. PDG concernant la tour. Tu peux le consulter dans le module d'habitation. Reviens-moi dès que possible. Sont plus anciens que tout ce qu'on a pu trouver sur cette planète. Je détecte des composés organiques près d'ici qui seront peut-être utiles à nos recherches. Peux-tu les scanner?